Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de vous présenter à nos spectateurs. Ensuite, vous allez pouvoir répondre à nos questions. D'accord. Bonjour. Donc, je suis Issa Diawara. Je suis professeur agrégé à l'Université de Bourgogne et enseignant-chercheur. Et bien évidemment, comme tous les Maliens, j'interviens pratiquement partout dans l'Hexagone sur les sujets concernant la situation dans notre pays, c'est-à-dire comment on peut arriver à instaurer une paix. Vous êtes très bien placé donc pour nous dépêcher un peu l'accord de paix pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui pour vendre la paix que le Mali a signé avec les groupes armés qui ont pris les armes et donc l'accord qui s'est signé à Alger. Et vous, comment vous analysez cet accord-là en termes productifs? Bien, oui, l'accord, nous avons, ou j'ai essayé de l'analyser en son temps, donc avant même qu'il ne soit signé. Il y avait un certain, pour moi, il y a un certain nombre de germes latents qu'il fallait dénoncer, qu'il fallait régler avant la signature. Mais ceci dit, comme tous les Maliens, il y a un accord, on l'accepte. Mais cela ne nous interdit pas de revenir sur un certain nombre d'éléments, sur un certain nombre de terreaux sur lesquels peut, hélas, se fertiliser un certain nombre de choses très dommageables à notre pays. J'ai été très surpris, moi, que cet accord de paix pour le Mali n'ait pas pris appui sur les accords de Ouaga, qui ont été signés en juin 2013 et qui ont permis au Mali d'enjamber quelque chose, un obstacle qui était celui de l'élection présidentielle. Et que disaient les accords d'Alger? En prenant appui sur ce nombre de résolutions des Nations Unies, c'est un, l'indivisibilité du Mali, deux, la non-reconnaissance de quelque État que ce soit, donc la Zawal, trois, le cantonnement des groupes armés avant de passer aux différentes phases. Je pense que là, on avait trois éléments fondamentaux. J'en ai relevé 10, mais bon, ce sont les trois éléments fondamentaux sur lesquels on aurait pu, dans l'accord de paix signé le 15 mai 2015, être intransigeant. Ce n'est même pas de l'intransigeance. C'est simplement qu'on intègre dans cet accord-là des éléments qui ont été reconnus par la communauté internationale des Nations Unies et qui ont été négociés par les représentants des pouvoirs publics avec les accords de Ouaga. Donc voilà, trois éléments fondamentaux. Et alors, je ne reviens pas sur les éléments concernant la reconnaissance d'ethnies qui, comme chacun le sait, sont des terreaux, justement, de partition d'un pays. Donc voilà, je pense que ces trois éléments-là sont assez intéressants pour qu'on réfléchisse. Et ensuite, aujourd'hui, cet accord, il est passé. On a dit oui, ok, je me range. Il ne s'agit pas d'être belliqueux. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans l'application de cet accord? C'est un échec, il faut le reconnaître. Quels que soient les atterrements moraux, les circonvolutions de notre diplomatie internationale, c'est un échec. Mieux, on est en train de faire des ponts d'or à des groupes qui sont, à mon avis, des obstacles pour la paix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut s'arrêter un instant et faire le point. Et si on fait ce point-là, on est très mal parti. Sur un plan technique, on a vu que dans la salle, la crème de la représentativité du Mali, la diplomatie malienne à travers l'ambassadeur, à travers le chef de la délégation malienne à l'UNESCO. L'ambassadeur s'est fait représenter, le chef de la délégation est resté, je m'en tiens à ce qui a été dit dans la salle, un dixième du temps. Est-ce que venir parler de cet accord-là, de son applicabilité et des moyens qui sont alloués aussi du suivi, est-ce que le débat n'est pas un peu biaisé? Est-ce qu'il n'y a pas une masturbation intellectuelle, un foutage de gueule? Deux points là-dessus. D'abord, un témoignage. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque le premier soldat français est tombé au Mali, nous avons pris l'initiative, M. Haïdara de Strasbourg, M. Dembélé de Nancy et un certain nombre de Maliens. On a tenu à participer aux obsèques de Boiteux. Donc, on s'est concerté et on a dit à l'ambassade qu'on y allait.
l'ambassade n'avait pris aucune initiative, ni le consulat. C'est le premier soldat, je ne dis pas seulement français, hein, soldat tombé pour notre pays. On n'est pas capable du plan diplomatique de faire une représentation. Mais nous, on a essayé. On est allé au nom des Maliens, pas au nom des autorités maliennes, au nom des Maliens. Quelqu'un qui tombe pour notre pays, on se doit d'y être. Donc cette attitude de l'ambassade ne nous surprend pas. Je dirais qu'il faut dépasser cela. Ces représentants ne sont pas plus maliens que vous et moi. Donc ce qu'ils sont capables de faire, c'est parce que statutairement, ils ont cette appellation-là. Mais nous, notre devoir, c'est de faire des choses que le Mali, notre Mali, soit pratiquement irréprochable dans toutes ses activités, dans toutes ses actions. C'est pour cela qu'il faut qu'on s'y substitue. Oui, franchement, je ne voudrais pas commenter cette absence, cette représentation, cette présence de quelques minutes, avec des mots qui n'ont strictement rien à voir avec aujourd'hui la situation réelle. J'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas la situation, qu'ils ne s'intéressent pas à la situation. Excusez-moi ce terme, qu'ils se fichent de la situation. Donc, franchement, laissez-moi de côté. Admettons que l'accord soit bon, comme vous l'avez dit. Avons-nous les moyens? On voit très bien que la communauté internationale aujourd'hui tape du poing lorsque le Mali est pris à défaut dans l'application de l'accord. Par contre, on n'a jamais eu une exigence de la communauté internationale vis-à-vis des groupes armés. Ce deux poids, deux mesures, est-ce que sincèrement cet accord-là est applicable? Mais c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que les germes sont là. Rappelez-vous lorsque, en 2012, le MNLA a fait son action. Est-ce que vous vous rappelez la déclaration de Alain Juppé à l'époque, ministre des Affaires étrangères, par rapport au MNLA? La communauté internationale, ah oui, je n'ai jamais rencontré cette personne-là. Elle est où, cette, la communauté internationale? Non, c'est un conglomérat d'intérêts. Il faut qu'on le sache, tout simplement, qu'on ne soit pas naïf comme nos négociateurs. Bonjour, monsieur Diop. Non, la communauté internationale ne veut que son intérêt. La France ne veut que son intérêt. C'est qui est légitime. Mais pourquoi le Mali ne voudrait pas son intérêt? C'est ça mon gros problème. Donc dire que non. Le devenir de l'armée malienne appartient aux autorités maliennes, appartient aux Maliens. Ça n'est pas à la communauté internationale de nous dicter quoi que ce soit. Un, deux, on vous respecte. Si vous savez vous respecter. Et si vous ne vous respectez pas, moi je serai déçu. Vous aurez des dictates. On n'a pas avoir de dictates des pays. Non, absolument non. Je me mets contre cela, je m'érige contre cela. Et je pense qu'on sera nombreux en tant que Maliens à nous ériger contre ce genre de mascarade de la communauté internationale. On sait bien qui veut quoi. Mais nous, on sait, doit savoir ce qu'on veut. Et si on ne sait pas ce qu'on veut, ça ne va pas. Vous savez, Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc les autorités maliennes sont même incapables de dire aujourd'hui si ça va ou pas, si des accords ou pas. Non, ils sont ces gens-là. Merci. Dernière question, nous avons un couple d'événements. Donc nous avons une certaine politique qui voudrait la partition du Mali. Nous avons des autorités maliennes qui sont censées empêcher cette partition. Nous avons la communauté internationale comme arbitre. Vous, de votre analyse, est-ce que nous avons atteint le point du non-retour par rapport à cette volonté de vouloir diviser le Mali en deux? Mais moi, à mon avis, on est à un point où on constate que cette attitude des autorités maliennes, plutôt de constater les conséquences de cette attitude irresponsable, incompétente, non préparée, non sérieuse, en gros l'absence d'État, on est en train de voir aujourd'hui quelles sont ses conséquences. C'est-à-dire que la partition du Mali est en train de rentrer petit à petit dans les faits. Ça va être avalisé.